cuisine qui s'appelle « Et si c'était bon ?», dans lequel vous trouverez toutes sortes de recettes allant de l'apéritif jusqu'au dessert. Aujourd'hui, je vais vous présenter un dessert qui est un dessert à base d'ananas et de crème de nougat. Donc la recette de millefeuille d'ananas à la crème de nougat est une recette très simple pour laquelle j'utilise de l'ananas Victoria qui est un petit ananas qui est un peu plus sucré et pour lequel on peut garder le centre alors que dans les ananas classiques, le cœur de l'ananas doit être enlevé. On utilise ensuite de la crème de nougat qui est très simple à faire. On fait fondre de la crème fleurette avec des morceaux de nougat qu'on achète dans le commerce et on utilise du sucre comme dans beaucoup de desserts. On a ensuite les restes de l'ananas qui ne seront pas dans le millefeuille, qui sont découpés en petits cubes et que l'on fait confire avec du sucre et du vinaigre de cidre. Donc l'étape la plus longue de la recette, c'est de couper l'ananas en tranches fines et de faire des petits dés que l'on va faire confire. Alors, je prends plusieurs tranches d'ananas que je superpose et que je coupe d'abord en bâtonnets et ensuite je fais des petits dés. Quand j'ai fait quelques tranches, je les réserve, j'en reprends quelques-unes et je recommence jusqu'à épuisement des ingrédients. Quand j'arrive à la dernière partie des ingrédients, je commence à mettre dans la casserole pour le faire confire avec du sucre et du vinaigre de cidre. On peut aussi mettre du vinaigre de mangue, mais c'est un petit peu moins facile à trouver. Les petits dés sont réservés, on arrive à la fin. Je vais donc commencer par porter du vinaigre et du sucre à ébullition pour obtenir un caramel. Donc, je verse mon vinaigre, je verse le sucre dans la casserole et je laisse reprendre pendant que je termine mes dés d'ananas. Attendre que le sucre est bien fondu dans le vinaigre avant de mettre les dés d'ananas. Le sucre est totalement fondu, ça bouillonne tout doucement. On met les dés d'ananas. La caramélisation et le confit se font assez lentement parce que l'ananas rend du jus. Et donc on laisse cuire ça tranquillement pendant qu'on s'occupe de la suite du dessert. Pendant que l'ananas est en train de confire, je vais mixer la crème de nougat que j'ai préparée avec 200 g de nougat coupé en petits morceaux que j'ai fait fondre dans 15 cl de lait et 10 cl de crème fleurette. Il faut que je la mixe parce qu'il y a des morceaux un petit peu épais qu'on va incorporer dans de la chantilly dans un deuxième temps. J'ai préparé une crème de nougat avec un peu de lait, de crème fleurette et de nougat du commerce coupé en morceaux. J'ai fait fondre ça dans le liquide chaud et j'ai remué jusqu'à ce que la crème soit et cet aspect-là, comme ça. Par contre, il faut mixer l'appareil pour écraser les fruits secs. Donc je vais me munir d'un mixeur. Donc on a une crème qui est redevenue onctueuse et qu'on va pouvoir incorporer à la chantilly qu'on va monter maintenant. Donc pour faire une chantilly, le plus important est d'avoir une crème froide mais très riche en matière grasse, 30 ou 35% de matière grasse. Et la technique pour faire la chantilly est toujours la même. On commence à battre à vitesse un peu lente pour incorporer de l'air et ensuite on augmente la vitesse jusqu'à ce qu'elle durcisse. Donc la chantilly est terminée, elle a une consistance assez ferme et je vais incorporer dedans la crème de nougat. C'est-à-dire qu'on va prendre une petite quantité de crème d'abord et on travaille assez doucement. Donc cuillère par cuillère, on incorpore la crème
Alors maintenant, toute la crème de nougat est incorporée à la chantilly. Donc je vais mettre la chantilly dans une poche à douille munie d'une douille lisse. Alors on met la crème dans la poche à douille de façon après à pouvoir garnir le millefeuille d'une façon à peu près esthétique. Si on manipule mal la poche à douille, on peut mettre la crème chantilly avec une cuillère. Mais c'est quand même moins joli. Pendant que ma chantilly est au réfrigérateur en train de durcir un tout petit peu, je vais poêler très rapidement les tranches du carpaccio d'ananas que je mets dans la poêle. Elles sont un peu fragiles. Saupoudre avec un tout petit peu de sucre pour aider la caramélisation. Voilà, lorsqu'elles sont toutes dorées, donc on les débarrasse. On a fait dorer les tranches d'ananas et elles sont prêtes en train de refroidir sur l'assiette avant de passer au montage. Alors on va procéder au dressage du millefeuille. Donc on prend une première tranche d'ananas, on prend la poche à douille et on garnit avec des petites boules de crème de nougat. On prend une seconde tranche d'ananas qu'on pose sur le dessus sans trop appuyer pour qu'on voit le relief de la crème. Et ensuite, on met des petits tas d'ananas confits. Voilà, il n'y a plus qu'à présenter les assiettes ou les stocker quelques minutes au frais. Et c'est un dressage qui a besoin d'être fait à la dernière minute. Voilà, l'assiette du millefeuille d'ananas est dressée. C'est un dessert tout simple. J'espère que vous l'apprécierez. Et je vous souhaite très bon appétit. Et vous pouvez me retrouver sur mon blog avec des desserts aussi simples ou éventuellement un tout petit peu plus compliqués.